N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Gagnez en moins de 9 minutes sur la rencontre entre Real Madrid et Eibar. Ensuite, on verra les statistiques concernant cette rencontre et en bonus un pronostic pour pouvoir placer vos paris là-dessus. Serie et ST et Eibar, on déroule le menu. On prend l'option période sans but par équipe. Équipe 1 qui est Real de Madrid, période minimale sans but, moins de 9 minutes. Si c'est possible, la cote égale à 9. Par contre, si ce n'est pas possible, la cote est égale à 1.8. Concernant l'équipe 2, Eibar, moins de 47 minutes. Si c'est possible, la cote égale à 1.87. Si c'est le cas contraire, la cote égale à 1.83. Il serait préférable de prendre le fait qu'il n'y ait pas de but en moins de 9 minutes de la part de Real de Madrid, également pour l'équipe 2 en moins de 47 minutes de la part de SD et Eibar. Les cotes sont intéressantes, mais avant de faire votre choix, on va voir les statistiques sur cette rencontre du jour. Nous sommes sur les statistiques du rencontre du jour entre Real de Madrid et Eibar qui se tiendra à 19h30. On voit la composition des différentes équipes probables avec les comparaisons de statistiques des équipes probables. On a aussi les informations sur les joueurs indisponibles. Nous avons Nacho qui est forfait, Luka Jovic qui est aussi forfait, on a Ivan Rami qui est forfait, Gonzalo Escalante qui est forfait aussi, on a les faits du match qui sont les plus importants. Real de Madrid a vu plus de 2 buts lors de ses 6 derniers matchs contre Eibar, toutes compétitions confondues. Ensuite, Real de Madrid est invaincu lors de ses 13 derniers matchs à domicile, c'est-à-dire la Liga. Il y a eu plus de 2 buts marqué lors de ses 5 derniers matchs de Eibar dans la Liga. Eibar n'a jamais gagné ses 6 derniers matchs à l'extérieur dans la Liga. Donc nous avons aussi en haut gauche les meilleurs joueurs des différentes équipes. Pour Real de Madrid, vous avez les différentes notes, les buteurs, les différents joueurs, ceux qui font les passes décisives. Et pour Eibar, vous avez aussi les notes des différents joueurs et les buteurs et ceux qui font les passes décisives. Maintenant pour les prévisions, Real de Madrid aura la possession du ballon. Real de Madrid marquera à l'aide d'un espoir individuel. Les prévisions du match sont générées à partir des caractéristiques des équipes. Donc nous sommes sur le pronostic de la part du site, 2 pour Real de Madrid, 0 pour Eibar. Mais c'est un pronostic qui est probable, vu tous les éléments donnés en faveur de Real de Madrid. Donc voilà quelques renseignements à connaître avant de passer son pari sur l'état des joueurs, sur les 6 dernières confrontations entre Real de Madrid et SD Eibar. Ceci va nous permettre. Je conseillerais à mes abonnés de placer les paris sur l'handicap asiatique moins 0,75 buts, dont la cote égale à 1,26. Vu les statistiques, vu toutes les informations qu'on nous a données, au moins Real de Madrid peut marquer un but dans cette rencontre. Mais en football, il faut être prudent. Rien n'est à 100%.